du golf et un peu des autres endroits, donc aussi du sable prospère et du kaya caviar. Évidemment, tous les repères sont été faits et quelques coffres aussi. Il y en a quand même qui sont les repères et 10 sont les plaques d'immatriculation. Il n'y avait pas de trop difficile. En tout cas, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Hein, j'ai envie de dire la vidéo, plein cœur de la vidéo. Hein. Allez, à tout à l'heure. Sea sponges' demand for pineapple homes has sparked massive deforestation throughout Costa Rica. But being brainless, sponges rarely weigh the consequences of their buying decisions. This recreation of the Titanic was so accurate, 1,500 people died during its maiden voyage. When it was discovered that their Stonehenge replica was astronomically misaligned, enraged Port Clovians threw it in the ocean. There is a very real risk of drowning while surfing, but at least you'll leave behind. Orcas do enjoy playing with toys, but not half as much as a day-old seal carcass. A great way to discourage museum attendance is to put your museum underwater. Caused significant flooding today. Port Clovis City Council never misses an opportunity for cross-franchising. No one knows who built this mysterious underwater base, but odds are they probably own a Nehru jacket and a Persian cat. Port Clovis has long been a popular dumping ground for the military, thanks to its lenient regulations and low tipping fees. This is quite a find. Although, that depends on the gold market, which has really been underperforming lately. I blame the Fed, of course, but what can you do? Giant monsters, or kaiju, occasionally visit Port Clovis to pregame before destroying more worthwhile cities. Ice fishing is similar to regular fishing, but enjoyable only to upper Midwesterners. Even the self-driving technology of Gazorpazor is not without its reliability concerns. Voilà, j'espère que ce petit enregistrement n'aura pas été vain, en tout cas, nos commentaires, en tout cas, c'était plutôt pas mal. Bon, j'ai fait ça sans être là, en fait. Bon, bref, on va attaquer le point de cœur de cette vidéo. Donc, on va faire tout le... On va explorer tout le sable prospère. Après, peut-être qu'on passera à Kaya Caviar. Et peut-être même un peu le golf. Explorer un peu la zone, mais je pense avoir tout oublié au début. Enfin voilà, ça doit être quelques coffres et rien de plus, hein. Je pense, ouais, c'est ça. Bref, en tout cas, j'ai trouvé un repère ici. On va pas mûrir tout de suite notre prédateur. On va juste explorer un peu la zone, voir ce qu'il trouve. Déjà, je vois une très belle situation qui m'a l'air excellent. Voilà.
Parfait. Bon, si on va pas s'attaquer aux humains pour l'instant. Et puis, on va aller un peu plus loin là-bas. Peut-être là, je sais pas ce qui se trouve. Bord du sable structure. J'ai pas encore été encore. Ah, il y a un panneau. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs le panneau déjà? C'est quoi comme énumération? Parce que les repères, c'est vraiment. C'est parfait quoi, pour les améliorations. Quoi. Pulling off a successful casino heist is made even harder when you drive off the road into the ocean and drown. Ok. Je vois pas. C'est quoi ça? Ok, que de l'ombre, c'est ça, c'est que de l'ombre. Très intéressant. Une amélioration très intéressante. Qui donnera. Certainement tout. Fera tout les composants pour avoir un bonus qui est vraiment fort intéressant. Là par contre, comment débloquer ceci, je sais pas. Peut-être quand on va rentrer. C'est pas ça là-haut là, non? Ah si, c'est ça. J'arrive pas à monter plus en haut. J'ai fait d'escalade, hein. Non, pas. Ah, oh merde. Oh merde, chou. The likelihood of catastrophic risk scenarios wasn't really considered when developers built a golf course in a flood zone. Je fais des pirouettes, Oh mon dieu, vous êtes très galés. Ah bon, peut-être qu'il veut donner un coup de pied aussi. Je sais pas. Ah c'est ça. Faut pas se faire chier dans la vie, hein. Voilà, le truc est ouvert. Putain, il faut. Ok, il fallait faire ça. Putain, je suis trop con. Ok. On va s'avancer un peu. On va explorer un peu la zone. Désolé si j'y mets autant de temps. S'il y a peut-être une coupure, hein. After the end of the tiki craze, bar owners toss their Polynesian-inspired decor into the Gulf, where their kitchen charm is completely lost on native marine life. Ok, ça c'est ancien. Enfin, il faut ancien pour l'avoir. Un espadon, bah tiens. Alors je n'ai aucune idée quand je serai ancien. Quand je serai ancien, je finirai les zones, hein, vraiment. Mais quand je serai pas ancien, il n'y aura aucun. Enfin, il y en a un 100%, mais il y aura. Qu'un finir. Même pas deux. Faut aussi que je fasse aussi la chasse des humains aussi. Mais j'ai pas encore ce qu'il faut encore pour attaquer encore les humains. J'ai des mauvaises améliorations pour ça. Bla bla bla. Late stage capitalist. Des grosses améliorations. Qui fasse péter les bateaux d'un coup. Ça, je serai nul. Alors, je prends une chose. Bug d'FPS quand même. Hein. Every summer, Port Clovis plays host to the Megasonic Electro Carnival, giving a real boost to the local MDM industry. The shark proves as slippery as it is deadly. J'ai pas vu là. Je
Ah, il faut encore un chien. C'est pas possible. Un corps dissident. Bull sharks have a habit of gobbling up anything that finds its way into the water. Alors, je suis où? Toujours au même endroit. Ok. Je n'ai pas repéré un repère, non? Non. Juste un coffre. Il est ici. On va pas chercher, c'est en bas. Tant que c'est en bas, ça reste impossible. Pourquoi tu m'énerves? Voilà. Il y a un truc là-bas. J'aurais bien aimé d'avoir la queue de l'ombre dans cette vidéo, en tout cas. Clovis considered removing these naval mines after the war, but the city had already spent its annual budget booking a Nickelback cover band for the 4th of July. On va pas l'admirer, enfin on va pas le mettre tout de suite, on va donne que de la ressource. Nous, moi c'est des améliorations que je veux, moi c'est pas des ressources. Enfin, des nouveaux voilà, chargement. The idea that shorelines belong to the public comes from Roman Emperor Justinian, but only because he wasn't able to consult with the Association of Resort Developers' eternally wise lobbyists. Et lui nous donne la tête de l'ombre, ce qui pourrait compléter le tout avec l'ombre. Ah, des mutagènes. Allez. Ça vous entend. Voilà. Bon, on va peut-être pas s'attaquer aux humains pour dans cette vidéo. Hein. Je suis désolé, hein. Ceux qui veulent les humains. Mutagen 23 is certainly heating up the evolutionary army. Peut-être dans l'épisode 7, on s'attaquera aux humains. On est là dans les coups. Prosperity Sands reminds us that sometimes the construction of second and third homes supersedes considerations like loss of species diversity. Juste. Bon, je fais pas gaffe au niveau, je suis désolé, je suis au niveau 23 et ça arrête pas d'augmenter depuis tout à l'heure, donc je fais pas gaffe au niveau. Voilà. Il doit être en haut celui-là. Non. Ah non, il est un peu là. C'est un petit coche de merde là. Ah, j'ai pas assez d'eau. Voilà. Oh le. The solitary hunter stumbles upon another source of nourishment. Oh, il y a un adieu. Un petit mago qui m'attaque, un petit frère. Un
Bien, il y a ici. Toujours galère à détruire ces trucs. Bonne raison de le prendre. Is an animal of broad dietary proclivities. Oh, c'est bon. Je suis un dauphin. Un repère ou un coffre? Un coffre. Oh, c'est vraiment. Anyone who has delved into the stomach contents of a shark is acutely aware that they'll eat just about anything. Ah, merde. Le chemin le plus rapide, un petit raccourci, ce petit. C'est quoi? Aïe. Ah, encore un barrage. Je sais pas pourquoi ils mettent des barres, je pense que je vais passer. Pas celui-là. Mais il m'énerve l'espadon là. Faut le calmer un peu. Oh, c'est ça. C'est un niveau 24 déjà, mais non mais. Ah, il faut toujours faire la même chose. Vous êtes où? Bon, le la tortue de la main directe. C'est pas un truc qui nous. C'est un humain. C'est résistant, non. Oh, c'est stylé. Donc ça c'est pour aller à Bayou. Ok, c'est pour aller au Bayou. L'importance. Mais bon, je savais pas qu'il y avait un barrage ici. D'accord, bah ça fait un jeune rapide. Hein. Parfait, parfait. Un repère. Un 3 sur 8. After losing to King Crush in the 2011 Monster Mania semifinals, Big Finn stepped away from the limelight for a simpler, more natural way of life. Monster Train. Bon, il va se terminer, attends. Voilà. Bon. Il y a un petit Mako. C'est bon tout pour l'instant. Ce que je fais, c'est que je mange les tortues. Je prends le coffre. Un petit peu de crème par là. C'est rapide. On va pas trop attirer l'attention. Je crois que c'est un panneau ça. Even after the creation of a killer clown task force, clown-related homicide still remains a problem in Port Clovis. Vous aimez les clowns, tueurs? In the kill or be killed world of the sea, performance-enhancing mutagens provide benefits that could mean the difference between life and death. Il donne des coffres, hein, mais moi j'ai du droit. This instantized protein makes a great between meal supplement, giving the shark the energy she needs to put on serious mass. Thank you.
jusqu'à là-haut. Toi tu m'énerves pas. Encore une plaque. Des gens. As is the trend in other coastal towns, long stretches of Port Clovis's shoreline are now the exclusive domain of the wealthy. D'accord, où je suis. Alors, Prosper est là. Ok. Je dis. Pas je me trompe hein. Ok. Peut-être là il là-bas, peut-être que j'ai pas repéré. J'ai pas encore repéré encore le camp. Ça va venir hein. Peut-être. For more than three-fourths of geologic time, the land was uninhabited. Without a single destination spot anywhere to be seen. Oh le coup de cœur. Peut-être un truc là-bas. Un coffre. Shark is never one to pass up a fat fiesta. Ça fait beaucoup moins mal hein, les coups de queue, je suis désolé hein. Ça fait énormément moins mal. Dommage. Ça va être une matricule, ouais. Elle est pas assez profonde ton eau. Ton eau. Non, j'arrive pas là-bas. Hein. Allez, on y va doucement. Voilà. En même temps, c'est ça qui fait, hein, vraiment. The bull shark is able to attain larger maximal sizes through the field. The bull shark is known to be a voracious, if hardly discriminating, eater. Il y avait un repère, non? Ah non, c'est un... On va essayer de faire les vies comme ça. This was only Alex's second du rivage. Et on est qu'à 12% pourtant. Oh, il y en a pas mal. Hein. On va essayer de voir là-bas. Ouais. Désolé. Il y en a un qui me gêne. Hein.
The bull shark's sensory organs are all situated near its mouth. Merde, hein. Il a plus de bras, il est pour rien. Is your favorite dinosaur? Then you're boring and unoriginal, and you need to pick a different favorite dinosaur. Okay, peut-être qu'il est là-bas. Je sais pas. Fantastic. If you're like me, you're probably wondering what their secret is for such durable papier mâché. Okay. Peut-être celui-là là-bas. Je sais pas qui couvre celui-là. J'ai dû oublier. Bref, peut-être que l'autre aussi sera meilleur. Oh le pauvre. C'est bon, du mini-frottin. Ok, c'est un point de repère. C'est le dernier en plus, parfait. Tête de l'ombre. Recently, Port Clovis has gained a reputation for its derivative, politically confused street art. Bah, on va aller au repère. Par contre, je sais pas s'il y a un repère ici. En tout cas, j'en ai pas vu un en tout cas. Et puis, on va s'arrêter. Tiens, on va là-bas. Ah bien, je suis apparemment. Ouais, apparemment un petit poisson me déteste. On peut y aller. Parfait. Et on a bien avancé. Faudra qu'on s'avance aussi sur le. A day at the beach is a summer ritual that wouldn't be complete without plenty of sunshine, sandcastles, and circarial dermatitis. Alors, tête. Il faut ancien, ok. Et l'autre, ok, pas besoin. Ok, ok, ok. Donc, alors là. Ok, c'est vitesse max et vitesse de nage aussi. Est-ce que je l'améliore ou pas? On va l'améliorer, écoutez. Voilà, comme ça, ça sera beaucoup. Et voilà. Bon, la tête de l'ombre, c'est pas encore, hein, pas encore pour aujourd'hui en tout cas.
faut qu'on soit ancien. Et du coup, il y a le danseuse et on verra ça plus tard, la danseuse. Peut-être que je l'améliorerai dans l'épisode 6, on verra. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette exploration incroyable, surtout sur le golf. On a fait de grandes choses, surtout sur les repères et les coffres et les plaques d'immatriculation. J'aurais 10 sur 10 en plus. Et sur les sables prospères, j'ai tout récupéré en point de repères. Et là, ici aussi, c'est vraiment agréable d'avoir les points de repère. Il manque plus qu'ici, malheureusement. Mais ici, il n'y a pas de point de repère, donc du coup, ça va être aise. Il n'y aura que les coffres et les plaques sur la baie de la Langouste, donc le dernier enjeu. Je veux dire le massif, mais non, c'est pas un massif, c'est le dernier territoire. Et du coup, bah j'espère qu'on sera ancien niveau 6, enfin épisode 6 ou 7. Puisqu'il faudra faire les deux quêtes là qui sont là. Et peut-être qu'il y en aura d'autres dans l'épisode 6. Enfin bref, c'est tout pour ces moments. Je vous dis à plus tard. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, ciao!